Qu'est-ce que c'est? On est confronté tous les jours, mais justement comme là, quand il pleut par exemple, tous les déchets sont charriés par la Bidassoa et après descendent des montagnes qui sont charriées par la Bidassoa et arrivent ici sur la plage. Donc oui, nous déjà visuellement on est confronté aux déchets, on est en première ligne. Nous décidons d'envoyer un reporter en mer pour faire un prélèvement à l'aide d'un filament à maison. Un membre de l'équipe retourne le filament dans de l'eau, puis filtre cette eau. Il suffit ensuite d'observer les éléments qui se sont déposés sur le filtre à l'aide d'un microscope. Nous remarquons quelques petits bouts de plastique, du microplastique. Pour un poisson mangeur de zooplancton, un risque sur deux de se tromper. Nous ne sommes pas les seuls touchés par cette pollution plastique. En 2010, sur les 275 millions de tonnes plastiques produites depuis les années 50, 8 millions ont terminé en mer. Et l'histoire s'accélère. Actuellement, 15 tonnes de plastique sont rejetées dans les océans chaque minute, soit l'équivalent d'un camion poubelle par minute. Le macroplastique peut affecter le développement des animaux pour les étouffer ou les rendre malades si les morceaux sont avalés. Le sac plastique est créé puis utilisé par les hommes. Ensuite, nous le jetons à la poubelle et il se retrouve souvent dans l'océan. À cause des vagues et des ultraviolets, il se transforme en microplastique. Ces petits morceaux sont mangés par des petits poissons qui sont mangés par des plus gros qui sont eux-mêmes pêchés et mangés par l'homme. Il finit donc dans notre assiette. Le saviez-vous, un mangeur de moules régulier mange 11 000 bouts de plastique par an. Nous avons assisté au ramassage mécanique quotidien de la plage d'Andaï. En mer aussi, le nettoyage est prévu. Le projet Sea Cleaner d'Yvan Bourgnon est un bon exemple. Pour éviter de ramasser tous ces déchets, commençons par les jeter dans une poubelle et dans la bonne. À la maison, jeterai. Pourquoi pas sur la plage? Il faut recycler davantage le plastique, seulement 10% en France, mais c'est une fausse solution, car la plupart des plastiques ne peuvent être recyclés qu'une seule fois. Vous arrivez avec vos propres contenants, comme vous l'avez fait aujourd'hui, avec des petits pots en verre. Et on fait la tare du contenant, on met le produit, comme ça vous repartez avec le produit. Et vous avez payé que le produit et la quantité dont vous avez besoin. Afin de ne plus polluer avec nos emballages, nous pouvons fabriquer des produits nous-mêmes. Nous avons préparé nos shampoings solides avec des produits naturels. On a un bureau à Bruxelles qui va nous accompagner pour faire pression entre guillemets auprès des parlementaires européens. Une loi vient d'être votée en France pour interdire à partir de 2020 toute la vaisselle jetable et autres objets plastiques à usage unique comme les cotons-tiges ou les pailles. Et si on arrêtait de produire du plastique tout simplement? Sinon, à force de remplir nos océans de plastique, nous ressemblerons peut-être à ça.